Je crois que l'équipe de Runda a perdu son matériel dans cette zone. Quelque chose envoie un signal par ici. On trouve pas souvent de la lume verte. Des rebelles. On m'a dit qu'ils étaient dans le coin.
Je devrais me débarrasser d'eux en éliminant leur chef. Des cavaliers patrouillent dans le secteur. Je dois pas me faire repérer. Je me rapproche de l'endroit où l'équipe de Runda a perdu ses rations. Elle a dit que seul un fouisseur serait capable de les repérer sous ce sable. Je pense que ça peut s'arranger. Gaïa a dit que je trouverais Poséidon ici. Mais les ruines qui sont ici sont exposées aux éléments. Mais beaucoup d'entre elles sont enterrées dans le sable. Poséidon se trouve peut-être sous terre. Si c'est le cas, je pourrais peut-être trouver un moyen de descendre dans une de ces structures. Pas utiliser l'attracteur.
je peux remplir ma bourse avec ça. Des repères. De tout affronter maintenant.
Bon, nouvelle approche.
La chasseuse est chassée. Toujours bien d'en avoir en stock. Grâce aux données de Creuset, je peux pirater de tout nouveau questions. Encore un drone. Comment faire pour l'atteindre? De l'eau s'écoule de ce bâtiment. C'est l'œuvre de Poséidon? Je ferais mieux d'aller voir. Quelqu'un est passé par ici. Du matériel de camping. On dirait qu'il y a quelque chose derrière cette bâche. Allez, 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 oh, c'était pas loin. J'étais à deux doigts.
De te noyer, peut-être, mais pas des braises. Morlund, c'est fini. Je m'avoue pas vaincu. Alors tu vas mourir, tout seul, parce qu'on tient pas à rester là, à repêcher ton cadavre. Ça suffit. Et c'est tout le destin du visionnaire, en place dans la balance. Choisira-t-il la vie, ou succombera-t-il à ses mortelles illusions ? Bonjour. Alors, il y a une ville perdue sous le sable, mais elle est inondée. Apparaît alors une Nora armée d'une lance. Oui, d'accord. Bon, vous n'êtes pas des ratisseurs classiques. C'est évident. Je l'ai baptisé Bulle de plongée. C'est la version 1. La version 2 était mieux, mais elle s'est retrouvée coincée à mi-chemin. Le tube s'est pris quelque part. Tu es descendu, avec ça. Oui, je ne m'attends pas à ce qu'une non-initiée... Parce que c'est très malin. Désolé, mais bon, je te rappelle que tu t'es retrouvé coincé et que tu as failli te noyer. Mais ça doit être facile à transporter. Une rotule de machine, peut-être ? Il faudrait un filtre. Une membrane synthétique ferait l'affaire. Avec un tuyau relié à une capsule d'air comprimé. Par mes tenailles. Comment ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Que... Viens par là. C'est une étrangère. Tu as un nom ? Aloy. Morlund. C'est plus une étrangère. Imbécile. Viens. J'ai des vieux schémas pour toi par ici. Oh, attends, j'ai deux ou trois questions avant. Je t'écoute, partenaire. Partenaire ? Ignore-le. Qu'y a-t-il de si important là-dessous pour risquer ta vie ? Eh bien... Morlund, je suis pas là pour faire de la récup, d'accord ? Tout ce qu'on pourra trouver sera à toi. Très bien. Et si je te disais que nous sommes à la recherche des trésors les plus incroyables jamais découverts ? Je répondrais, va droit au but. Pragmatique. Ça me plaît. Admire. C'est une braise. On dirait juste de la ferraille. Là, oui. Mais... Avec une étincelle, ces créations spectaculaires des anciens dessinent de magnifiques motifs dans les airs. Et les ruines sous nos pieds en sont remplies. Une véritable merveille qui dépasse les mots. Comme me l'avait promis grand-père. Et il s'est passé quoi en bas exactement ? Un ratissage sans nul pareil. Une chance de marcher dans les pas de mon grand-père. Sous cette structure se trouve une immense cavité, un dôme, bien à l'abri du sable. Nous avons construit l'ascenseur ici pour remonter plus facilement. Un sacré engin, il faut le dire, et pas facile à... Oui, je vois. Et ensuite ? C'est tout au fond que nous avons découvert le trésor de mon grand-père. D'innombrables images dans les airs, d'une grande variété. Des femmes qui dansent, des jeux et des jetons, des promesses de jackpot. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être bien. Hélas, ça n'a pas duré. Les images sont devenues aquatiques, avec des vagues et même des poissons. C'était comme une espèce de songe sous-marin. Celui de Poséidon. Oui. Et tout à coup, un bruit assourdissant a retenti. Et un véritable torrent d'eau a jailli du sol. Donc l'eau est sortie du sol et a tout inondé ? Des trombes d'eau comme je n'en avais jamais vu. On a pris nos clics et nos claques, et on a pu rejoindre l'ascenseur de justesse avant de finir emporté. Secoué, mais déterminé, j'ai construit les bulles de plongée version 1
et deux. J'ai tenté de plonger avec et j'ai failli me noyer à chaque fois. Abaddon est hors de lui. Il pense que je suis fou. Mais je n'abandonnerai pas. Je touche au but. Je sens que j'ai les braises à portée de main. Eh bien, je peux peut-être t'aider. Oui. C'est bien possible. Je ferais mieux d'aller chercher ces pièces. La version 2 contient une capsule d'air comprimée intacte, mais comme je l'ai dit, elle est coincée en bas. Si tu as pu en ressortir vivant, je devrais pouvoir nager jusque-là. Parfait. Pour les autres pièces, Stemur a vu un troupeau au sud qui devrait avoir ce qu'on cherche. Je m'en occupe. Bien. Reviens quand tu auras ce qu'il faut. Et bonne chasse. Qu'on quitterait enfin cet endroit pour de bon. J'ai la capsule d'air comprimé. Heureusement qu'Aloy est arrivé. Je vais juste récupérer les pièces de machine. On verra. Plus s'allongeait leur séjour dans le désert, et plus l'humeur du gratte-papier virait au noir. Si j'en crois Morlund, le troupeau devrait se trouver plus au sud. Je risque pas d'en manquer. Bon, c'est ici que devait se trouver le troupeau dont a parlé Morlund. Il a dû se déplacer. Je dois retrouver sa trace. Je ferais mieux de chercher des indices. Là, cette piste devrait me mener au troupeau. C'est sûrement d'ici que vient le troupeau. Je devrais suivre les traces dans l'autre sens. Voilà le troupeau. Les machines devraient me fournir les pièces qu'il me faut. Le sable abîme mon armure. D'autres machines ? Je ferais mieux de m'en charger d'abord. Thank you.
des étincelles. Génial. La tempête a formé un tourbillon de sable. Génial. Voilà, elles ont leur compte. Je vais passer le troupeau. Le troupeau est coincé entre ces tourbillons de sable. Je pourrais en profiter. J'ai encore les données pour piloter cette machine. Faut que je trouve d'autres creusets. Membrane synthétique. Je vais peut-être mieux trouver les autres machines. L'une d'elles a peut-être une rotule utilisable. Thank you.
une rotule. Bien. Je devrais avoir toutes les pièces pour construire cette chose. Je ferais mieux de retourner voir Marlund. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, partenaire? J'ai tout ce qu'il me faut pour construire le... L'incroyable masque de plongée. Je crois que masque de plongée suffit. Comme tu voudras. L'atelier est à toi. S'il fonctionne, je pourrais essayer. J'ai des objets très spéciaux à récupérer. Si j'arrive à ne pas me noyer. Qu'est-ce que tu cherches au juste au fond de cette eau? C'est très compliqué. Quelque chose qui a perturbé le dispositif qui contrôle cette cité antique. C'est ça qui l'a inondée. Oh, je pensais que c'était notre faute. Comme une sorte de piège qu'on aurait déclenché en venant. Comme je l'ai dit... Les lumières ont changé brusquement pour des fonds marins. Il y a eu une lueur rouge, et le rugissement de l'eau s'est fait entendre. Attends, une lueur rouge ? Oui, une lueur rouge, venant d'un lieu près de la grille au sol, de là où est venue l'eau, comme une balise. Ou un signal. Merci, ça peut m'aider. C'est tout ce que je te souhaite. Bonne chance en bas. Bon, il est temps de voir si cette chose fonctionne. Jusqu'ici, ça marche? Je peux respirer correctement ici? J'ai pu plonger aussi profondément avant.
Poséidon se trouve quelque part en bas. Il faut que je découvre où il se cache. Gigantesque. Et tout est encastré dans un dôme. Venez vers poser, ils emmènent là-bas. Là, une lumière rouge. Alerte. Inondation critique détectée. Commande de drainage automatique désactivée. Pour lancer une vidange d'urgence, la réinitialisation manuelle des nœuds de pompage principal et secondaire est nécessaire. La vidange pourra ensuite être lancée depuis la station de maintenance de la pompe. Si je lance la vidange et que je draine toute l'eau, je pourrais affronter cette grosse machine sur la terre ferme. Je dirais que je vais d'abord devoir réinitialiser quelques nœuds de pompe. D'après la carte, il devrait y avoir un point d'accès vers le premier nœud au sud d'ici. Voilà le point d'accès. Il devrait me mener vers le nœud de pompe. Il y a tout un réseau de tunnels en bas. Les canalisations de toute une ville.
pas attendre le rebord d'ici. Je crois qu'il faut escalader quelque chose pour sortir. Ah, de l'eau tiède. C'est agréable. Un nœud de moins. Je ferai bien de remonter en nageant et de trouver le point d'accès du second nœud. J'ai déclenché une réaction en chaîne. D'après la carte, le second nœud devrait se trouver de l'autre côté du dôme. Un autre point d'accès. Il devrait me mener au second.
Récupérer dans ma réserve. C'est mieux. C'est bon. Je me suis chargée des deux nœuds. Il me reste plus qu'à activer la vidange d'urgence à la station de maintenance. La station de maintenance devrait se trouver dans la partie sud du dôme. La lumière rouge dans cette tour. Elle est comme sur la console que j'ai trouvée. C'est peut-être la station de maintenance. Mais comment y entrer ? On dirait qu'une partie de ce bâtiment s'est effondrée. C'est peut-être mon ticket d'entrée. Je pense que je suis dans la station de maintenance. Je dois trouver une console et activer la vidange d'urgence.
devrait y avoir une console ici. Là. Il est temps d'assécher cet endroit. Garder la porte de l'autre côté du dôme. Et une fois que je l'aurai vaincu, je pourrai atteindre ce qui se cache derrière la porte. Poséidon. Apparemment, la vidange n'a pas évacué toute l'eau. De la grosse d'abord. Thank you.
douleur s'estompe. Poséidon se trouve là-dedans. Mais où est passée cette machine? Aloy! C'est un miracle! Oh.
grâce à toi si le niveau de l'eau a baissé. Oui, mais on a un autre problème. Cette chose est sur notre chemin. Ouais, on ne pourra pas récupérer les braises tant qu'elle est là. Tandis que les vaillants aventuriers contemplaient la bête, ils savaient ce qu'ils avaient à faire. Quoi ? Mais t'es malade ! Tu calmes ! Elle nous a sauvé la mise. D'accord. Restez là. Et tirez dès que je passe à l'attaque. Se met en position.
Tout le monde va bien ? Est-ce que vous allez bien ? Extrêmement bien, c'est... Tu... Quelle victoire ! On a mis la main sur un paquet de fraises, et c'est grâce à ton aide. Ça fait... chaud au cœur. Mais si on se contentait de... Vous savez, prendre ce qu'on est venu chercher et filer, avant qu'une autre de ces choses décide de rappliquer. Allons, allons, gratte-papier. On a le droit de se complaire un peu. Et on devrait sans doute laisser notre amie aux cheveux de feu y aller. Je crois qu'elle a des choses à faire ici, c'est bien ça? Oui. Bien sûr. As-tu besoin d'aide? N'hésite pas si besoin. Merci. Poséidon devrait se trouver derrière cette porte. Je vais le ramener à la maison. Poséidon doit se cacher dans une sorte de processeur. Il faut que je trouve une console pour y accéder. Là, je devrais pouvoir me servir de cette console. Abandonner cet endroit. Je laisse tout en suspens. Le système est capable de fonctionner pendant des décennies, voire des siècles. C'est utopique. Mais peut-être qu'un jour, quelqu'un trouvera à nouveau cet endroit. Il s'émerveillera de ses lumières. Il découvrira la fortune et des possibilités illimitées. Il en fera son propre rêve. Après tout, si cette ville peut me donner une deuxième chance, si l'eau peut arroser à nouveau un désert, alors tout est possible. Il avait raison. Je suis là pour te ramener chez toi, Poséidon. Auprès de Gaïa. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction subordonnée Poséidon dans le trait d'origine. Voilà. Je dois rapporter ça à Gaïa. Redémarrage du système initié. On dirait que la prise de Poséidon a relancé le système d'alimentation de la ville. Morlund et son équipe ont dû prendre la surface, avec toutes les braises qu'ils peuvent transporter, je parie. Je finirai par sécher.
ralentir ma chute. Ça a commencé juste ici, il y a plus de 30 ans, quand ce casino s'appelait encore le Tempo. Un pari qui a bouleversé mon destin. Mais voilà que le destin nous a donné la pire main possible à chacun d'entre nous. Morlun a il faut que j'éteigne les lumières une dernière fois. Il marche peut-être encore. Et les eaux de ma maison d'adoption vont enfin se tarir. Enfin. Si un rêve doit mourir, au moins lui dire au revoir. Morlund a dû le construire avant que la bande soit inondée. Il marche peut-être encore. Ce serait bien de ne pas avoir à tout escalader. Ça a dû alimenter toute la ville. Oh. Oh.
spectacle que grand-père a toujours vu. En voilà un autre. Son rêve enfin réalisé. L'héritage de son grand-père, assuré. Notre héros contempla l'océan de désert lumineux. Et il pleura de sa bonne fortune. Quand je regardais les braises, enfant, je ne pensais pas qu'elles pouvaient ressembler à ça. Merci, Aloy. Tu as pu trouver ce que tu cherchais ? Oui, c'est le cas. Et maintenant, je dois repartir. Oh. Reviens quand tu veux. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je croyais que tu voulais monter des spectacles avec les braises dans la requête. Non. Le spectacle est ici. Oh, tu imagines un peu. Des gens venus de partout pour admirer les merveilles de ce lieu. Et puis il y aura de quoi manger, un lieu pour dormir. En plus des innombrables divertissements, tous très variés. Et n'oublie pas, les jeux de hasard, l'opportunité parfaite de se faire des tonnes d'éclats. Un nouveau rêve alors. J'espère qu'il se réalisera. Au revoir, mes amis. Ce ratissage restera dans les annales. Et c'est grâce à toi. Si Morlund et son équipe restent ici, je pourrais peut-être revenir leur rendre visite un jour ou l'autre. Dans les médias, je dois rapporter Poséidon à Gaïa. Mais vu toutes les ruines qui se trouvent ici, je devrais peut-être explorer un peu avant de partir. Et avec mon nouveau masque de plongée, je peux nager en eau profonde. Comme dans ces plans d'eau que j'ai croisés plus tôt. Ah, mon vieux grand-père aurait admiré ces lumières. Il va falloir beaucoup d'éclat pour faire tourner tout ça. Le vol.
te vois, championne. Viens t'asseoir. Viens me voir. Tu rateras une belle affaire. Je suis partie explorer au nord-ouest d'ici, près du village de Halit. Et j'ai découvert un lieu où le sol est recouvert de métal. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est mauvais signe. Fais attention. Merci pour l'info. Un sol de métal. C'est peut-être un creuset. Et s'il y a un creuset, il y a des piratages de machines. Anciens plaçaient des lames sous leurs pieds et... Te revoilà, Aloy. Je vois que tu as récupéré Poséidon. Grâce à l'acquisition d'Éther, Poséidon et Déméter, ma capacité de traitement heuristique est bien supérieure. Je devrais être en mesure d'absorber Héphaïstos, et cela tombe bien, nous avons avancé sur le plan visant à le capturer. Sous les encouragements de Varl, Beta a analysé toutes les informations disponibles sur Héphaïstos. Il s'est énormément développé. Il est trop grand pour être transféré. Le noyau source que tu as ne pourra pas le contenir. C'est pourquoi il doit être confiné dans un lieu avec lequel je possède un lien physique. Un lieu doté de deux noyaux de données. Deux noyaux? Où est-ce qu'on peut trouver un tel endroit, Gémeaux? Un creuset abandonné dans le désert à l'ouest. L'activité sismique a perturbé la construction d'origine. On y a donc établi deux noyaux de données. J'y suis déjà allée. Les Ténacs considèrent l'entrée comme une sorte de lieu sacré. On va devoir t'y amener manuellement. J'ai élaboré les plans d'un matériel de transport adéquat, mais il est particulièrement encombrant. Il faudra donc deux personnes pour le transporter aux Gémeaux. Je peux aider. Une fois que j'aurai pris place dans le premier noyau, j'inviterai Héphaïstos à venir dans le second, pour le piéger. Ensuite, je commencerai la fusion. Cependant, afin de construire ce matériel, je vais avoir besoin d'une aide considérable. Tu en es capable ? J'imagine que oui, mais ça marchera jamais. Les Zéniths vous trouveront. Minerve ne sera plus en mesure de vous cacher. Non, en effet.
L'absorption d'Héphaïstos provoquera une importante surtension qui sera facilement détectable par quiconque en est capable. Et si on provoquait plusieurs surtensions pour tromper les Zéniths? Si Erend, Zo et Kotalo se répartissent dans des creusets pour provoquer d'autres surtensions, est-ce que ça camouflerait celle des Gémeaux? Calcul en cours. Une telle stratégie pourrait fonctionner. Avec l'aide de Beta, nous pourrions construire un ensemble de générateurs d'impulsions portatifs. Je vous l'ai dit, ça marchera jamais! J'ai fait un test. Héphaïstos a bloqué l'accès au module à l'autorisation Alpha. C'est impossible de le capturer. Donc il faut une autorisation supérieure. Mais il n'y a pas de... L'autorisation Oméga de Ted Faro. Il s'en est servi pour vider la base de données Apollon et tuer les Alpha. Mais pour l'avoir, il faudrait trouver Teb, le bunker dans lequel il s'est retranché à la fin du monde. Et personne ne sait où il est, pas même les Zéniths. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'il se trouve dans San Francisco. C'est déjà une bonne piste. Alva, la devineresse Quen, a dit que les siens avaient une base à Vivterre. Ils cherchaient des données à San Francisco depuis là-bas. Elle pourrait nous aider. Donc je vais devoir aller tout à l'ouest. Pendant ce temps-là, tu peux construire le système et les générateurs d'impulsion? J'essaierai. Je m'assurerai qu'elle a tout ce qu'il lui faut. Alva dit que les Quen ont un ferry sur la côte. Ils s'en servent pour accéder aux ruines de San Francisco. C'est là que je dois aller. Aloy. J'ai réussi à débloquer d'autres pièces près des serveurs. Compris.